couple of moments. Okay. We'll start, I think, with the questions in English, please. Questions for us. Stan, the first two sets were very close. Did you feel like you just played the big points a bit better than Gail? Yeah, it was really close to set. I think it was a tough match today. Tough condition, quite windy, a lot of tension because we know each other so well. So it was important to stay there, to stay strong with myself, and I'm happy to get through this match. Next question in English, please. Questions in English? Go on here, please. Thank you. There was a lot of support for Gail on the court as well, a big match atmosphere. Was it important for you just to concentrate on your game and your tennis and try and block that out a bit? Well, I was expecting for him to a lot of support. They love Gael here. He's playing at home, so it's normal. But I was also quite surprised. It was a really good crowd today. I think they were really fair on the court, and I think the atmosphere was great to play. So I'm happy with everything. Stan Marin next. Talk a little bit about that. Yeah, he's a tough player. I think he's playing really well this year here at the French Open, winning quite easy to get into the quarter. He's playing really aggressive. He won the tournament on clay this year, I think, Istanbul. We had some good battle in the past. Last one was in London last year, end of year. It was a tough match to play. I think it's going to be important for me to get really ready for a big match. He's serving well. I will need to find solution on the return and try to dictate the game from the baseline. More questions in English? Yeah. Andy and Novak talked a little bit about sports being in a position to be a healer for events like what happened in London and things like that. Do you see that global aspect to sports and being a sports star? Yeah, for sure. It's really sad what's happening in the world recently. If people can enjoy to come to the sports, it's tough to do something about that. I think it's important to stay positive and try to find any solution to help some people. Stan, during the when you called the medical timeout, which was your problem, and after that your physical condition were okay or not? Thank you. Yeah, I blocked my low back at the beginning of the match after one game for different reasons, I think. And more the match was going, it was going a little bit down. So I just wanted to fix it, to make sure that he cannot get worse. So that's why I called at that moment. More questions in English? No? Okay, thank you everybody. Yes, we'll get the candidates, yes. I promise. Questions in French, please. Stan, ouais. T'as l'air fatigué. C'est un match qui t'a particulièrement vidé aujourd'hui. Ouais, c'était un match fatigant mentalement, je pense. On était très tendus les deux, des deux côtés. On se connaît parfaitement. On sait à quel point c'était important pour lui ou pour moi de bien jouer. En plus, les conditions avec beaucoup de vent n'ont pas aidé pour qu'on puisse vraiment se relâcher dans ce match. Quand il y a des conditions comme ça, c'est difficile vraiment de se dire bon, maintenant on est dans le match, on y va, on joue notre jeu. Et aujourd'hui, pendant deux sets, vraiment il y avait énormément de tension mentalement. Ça a été très dur pour moi. C'était important vraiment
de rester chaque point, point après point, lui montrer que ça devenait difficile, lui montrer que voilà, pour lui ça allait être compliqué de tenir ce niveau sur 5-7. Salut Stan, tu penses que mon fils a été déstabilisé par le fait d'avoir appelé le medical timeout dans le troisième set? Faudra lui demander, vous n'avez pas demandé. Mais Est-ce que tu perçois tu l'as perçu pendant le troisième set, qu'il aurait pu être distrait par ça? Bon, après le medical timeout, il a gagné son jeu 40-0 facilement, il a bien servi, donc je pense pas que c'est eu un affaire, que ça soit... mauvais pour lui, je pense pas que ça ait changé quelque chose. Stan, tu as un bon bilan contre Marin. Pourquoi ça et qu'est-ce que tu attends de lui? Il va jouer très agressivement ou qu'est-ce que tu penses va passer? Ouais, j'ai souvent gagné contre lui, souvent aussi des matchs très difficiles. Voilà, je pense que quand physiquement je suis bien, mon style de jeu n'est pas celui qu'il préfère non plus, parce que justement je le repousse du fond, c'est moi qui commence à vraiment dicter. C'est clair, je m'attends à ce qu'il soit très agressif justement pour pas me laisser le temps d'imposer mes frappes du point fond. Je pense que ce qui va se passer, il va essayer de servir, de prendre l'avantage tout de suite dans l'échange. Pour moi, ça va être important de rester avec lui, de tenir et d'essayer justement d'inverser, que ce soit moi qui soit dans le terrain et pas lui. Stan, le problème avec le dos, c'est quelque chose que tu as déjà vécu avant et c'est quelque chose que t'inquiète? Oui, c'est des choses que j'ai déjà vécues et maintenant ça ne m'inquiète pas dans le sens où ça ne m'empêche pas de jouer et de très bien jouer. C'est sous contrôle, on va dire ça comme ça, c'est des petits blocages qui peuvent arriver. On va dire que le dos, c'est ma partie du corps qui a toujours été un peu fragile et je fais attention, mais voilà, c'est des choses qui ne m'empêchent pas de très très bien jouer, donc pour moi ça, c'est pas important. Tu as parlé qu'il y avait beaucoup de tensions pour tous les deux, c'était à cause de quoi? Parce que vous êtes potes ou parce que c'est Roland? Parce que c'est Roland Garros, parce que c'est un match méga important pour les deux. Lui il joue à domicile, pour lui c'est le grand chelem qui cherche toujours à aller le plus loin possible. Pour moi, c'est un grand chelem de plus où j'ai envie vraiment d'aller le plus loin possible. On se connaît parfaitement. On ne s'est pas joué depuis très longtemps, même si on s'entraîne très souvent ensemble. Ça reste... voilà, on était un peu dans l'inconnu de comment ça allait se passer. En plus, il y a des conditions difficiles avec beaucoup de vent, donc ça amène du stress en plus pour les deux côtés. Et voilà, toutes ces raisons font qu'on l'a vu, on était très tendus les deux côtés. Néanmoins, tu as gagné presque tous les points importants. Lui, il relevait beaucoup ça aussi. Qu'est-ce qui fait qu'on gagne les points importants dans des matchs tendus comme ça? C'était plusieurs raisons. Je pense déjà, il y a la confiance que j'ai retrouvée dernièrement par rapport à mon jeu. Après, le nombre de matchs où j'ai pas laissé tomber, où j'ai pas laissé aller, le nombre de matchs où je me bats contre moi-même pour tourner le match, le nombre de fois où dans le passé j'ai été dur avec moi-même, j'ai été dur mentalement, où c'est dur, où ça fait mal aux jambes, où ça fait mal dans beaucoup de domaines, que ce soit mentalement, où on sent qu'on a envie de lâcher mais on lâche pas. Et je pense que toute cette expérience que j'ai dû passer, d'avoir gagné des grands chelems, d'avoir gagné beaucoup de matchs qui ont été difficiles, fait que pour moi, j'accepte cette douleur, j'accepte cette tension qu'on peut avoir sur le match et j'essaie de la rendre encore plus difficile pour mon adversaire. Merci. Je crois que tu as dit en anglais que tu étais un peu surpris du public, qu'il était très, très bon aussi avec toi. Pourquoi ça t'a surpris? Tu t'attendais à quelque chose d'autre? J'ai pas été surpris qu'il soit très bon, je m'attendais à ce qu'il ait beaucoup beaucoup plus de soutien et beaucoup plus de bruit, comme ça a été le cas les autres années, comme il y a 2 ans, 3 ans, quand je jouais un français. Et aujourd'hui, j'ai trouvé le public très 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 bon, très correct. J'ai eu beaucoup de soutien, j'ai eu beaucoup de... C'est clair qu'ils étaient beaucoup plus pour lui, mais dans l'ensemble, je trouvais qu'ils étaient très très fiers. Et ça a été pour moi, je m'attendais à avoir moins de soutien et j'en ai eu beaucoup plus que ce que je pensais.
À propos du soutien du public, est-ce que le match de la veille de Muguruza t'a donné une petite tension à ce niveau-là? Et dans quelle mesure la réaction de la foule, le bruit du public a une influence sur toi quand tu es sur le court? Non, pour moi, enfin, j'ai entendu des choses qui s'est passées hier, mais après, une grosse ambiance sur un terrain, c'est aussi pour ça qu'on joue au tennis. Moi, j'adore, peu importe, même s'ils soutiennent mon adversaire, moi, j'aime jouer avec de l'ambiance, pas forcément une ambiance qui soit pro pour moi, même si l'ambiance, elle est pour mon adversaire. Voilà, quand on a la chance de jouer sur un terrain comme ici, comme le Châtrier, on a envie que le public soit présent, qu'il soit derrière les joueurs ou un des joueurs et qu'il y ait une ambiance. Et c'est ça qui me fait vibrer, en tout cas. No questions, please. No? Okay. Radio, please. Thank you.